Contrairement aux pensées de la population, la police nationale congolaise a pour rôle de sécuriser la population et leurs biens, mais une contraste se vit pendant les heures creuses où le climat entre agents de l'ordre ainsi que les habitants n'est pas au beau fixe. La police en soi, c'est un service noble. Nous l'avons toujours répété, c'est un service dans lequel nous devons trouver des personnes qui sont modèles, qui doivent servir d'exemple. Sous d'autres cieux, lorsque quelqu'un rencontre la police, même sa manière d'être d'un policier, vous avez affaire à une personne déresponsable et une personne comme ça inspire confiance. Malheureusement, il se fait que dans notre pays, jusqu'à ces jours, certains sont toujours des brebis galeuses. Par la même occasion, Maître Shadrach Moukad appelle les autorités policières à mettre du sérieux dans le recrutement. La cause réside au niveau du recrutement des policiers. Chaque fois que nous voyons, on lance le recrutement, c'est un fourre-tout, c'est un tout venant. N'importe qui vient, on les prend parce qu'on a besoin des éléments. Mais lorsque même ceux qui étaient des voleurs, qui étaient des bandits, qui étaient, est-ce que vous pensez qu'on est à la hauteur de les transformer, de les changer? Je ne pense pas. Il faudrait que chaque fois que la société civile et la population dénoncent les mauvaises pratiques de certains éléments de la police, qu'il y ait réellement des mesures disciplinaires, qu'on sanctionne, qu'on arrête, qu'on emprisonne. Et là, les autres vont en tirer les leçons. Les éléments de la police doivent être vraiment recyclés sur la déontologie policière. Le 1er mars de chaque année, l'humanité célèbre la Journée mondiale de la protection civile. Le thème retenu pour cette année est d'aider, sécuriser ainsi que former la population.